L'arabe, entre islam et anté-islam. Alors l'islam a été un point culminant dans l'histoire de la langue arabe, certes, mais l'arabe existait déjà avant l'islam. C'était une langue de commerçants, de bédouins. Peut-être que Jésus, on n'est pas sûr, mais probablement on a retrouvé des inscriptions en arabe, de paraboles, connaissait l'arabe, puisque c'est une langue de commerçants. Mais elle n'avait pas de code, si je peux ainsi dire. Il n'y avait pas de règles de grammaire fondées, il n'y avait pas de conjugaison fondée, il n'y avait pas d'orthographe fondée. C'était un petit peu au petit bonheur la chance qu'on écrivait en arabe et qu'on espérait être compris. Ces langues sémitiques, que ce soit l'hébreu, l'arabe ou l'araméen, en général servaient de passe-bête. C'est-à-dire qu'on notait certaines consonnes, certaines voyelles, de manière à s'en souvenir. Suite à la révélation du Coran pour les musulmans et la rédaction du Coran pour les athées, nous nous sommes dit, ce serait dommage, avec toute la connaissance que nous avons de la langue arabe dans ce texte sacré, de s'en éloigner. C'est là qu'on s'est mis à codifier différents règles de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, de dictionnaire, pour codifier la langue arabe standard. Mais c'est ce qu'on appelle encore l'arabe classique aujourd'hui. En arabe moderne, on s'est éloigné de ça. Le même phénomène s'est présenté qu'en hébreu. La Renaissance, la révolution industrielle, les nouvelles technologies et tout ça ont fait que l'arabe commence à devenir un peu vieillot. Et que les traductions qu'on en faisait étaient souvent farfelues. Donc on a voulu codifier tout ça. On a codifié la langue arabe. On l'a modifiée et enrichie pour qu'elle s'adapte au monde moderne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'arabe est toujours une langue vivante. Et nous pouvons l'étudier en lisant rien qu'un petit journal en arabe ou regarder une chaîne de télévision arabophone.